Je vais pas répondre non à toutes questions nous voulons pour nous éclairer. Parce que nous prenons toutes. Ça n'a pas cherché ensemble. C'est la vérité. Très bien. Bon, et nous, à partir de ça, nous avec l'émission après-midi. Il y a deux ans, presque trois ans de cela. Donc, 6-7 juillet 2018. Donc, entreprise violente était frappée dans le cadre de manifestation, son soulèvement que tu gagné à l'époque. Donc, là, ça, tout le monde est capable de dire, je dis, c'était homme d'affaires là où tu frappé en 2018. Donc, en 2021, on a besoin de connaître, est-ce que c'est homme d'affaires là où continue à frapper, ou bien c'est homme politique là qui a frappé, ou bien c'est les deux? Donc, nous avons besoin de filer l'événement où ça y est, et puis qui considération gagne par rapport à frappe côté en 2018 là, et ça que vous prenez aujourd'hui en 2021, nous avons un petit temps pour élaborer, et puis après ça, nous posons une autre question. Marco Bonjour, moi je ne pense pas qu'il y a une différence entre deux frappes. Je vais l'expliquer. Nous sommes citoyens engagés depuis longtemps. J'avais toujours dit que je fais politique longtemps. Je vais dire que je suis un parti politique. On considère mon citoyen engagé depuis le rentré faculté de médecine et que me décider à apprendre la santé communautaire. Comme dès qu'on dit déjà en 1982 à 26 ans, d'ailleurs doit choisir à le faire cardiologie, chirurgie ou vont belle clinique. J'ai choisi faire santé communautaire. On t'a allé l'hôpital Sainte-Catherine Cité Soleil, côté dès qu'on fait 800 accouchements par mois, 100 opérations chirurgicales par mois. Côté de refaire l'hôpital Fort Liberté, l'hôpital Wanamet, l'hôpital Mont Organisé. Et je toujours aimé bien blague ça. L'hôpital Mont Organisé, c'est l'hôpital Banque Mondiale construit depuis sous Duvalier. Il n'est pas jamais inauguré. Mal visité en mars 90. Moi, je joue l'hôpital Flambeau Neuf. Tout appareil là dans la boîte. Moi, je rentre au prince, je me dis ministère de Santé publique, est-ce qu'on a une autorisation à l'ouvrir l'hôpital ça? M'ouvrir l'hôpital là. Donc, le citoyen Pierre-Réginald Boulos est un citoyen social depuis son jeune âge. L'homme entré dans le secteur privé à l'âge de 40 ans. Faut tout le monde connaître comment c'est business à l'âge de 40 ans. L'homme mettait dehors Cité Soleil. Très rapidement, m'tal engagé, m'vin président chambre de commerce en 2004. Et l'homme président chambre de commerce m'font gros discours joué à inaugurer nouveau conseil là. Côté me dit on doit mettre fin à la contrebande et à la corruption. On doit mettre fin à la distribution des armes. Songez l'époque 2004, t'es déjà gagné opération Bagdad. Moi dit faut nous mettre tête ensemble. Pas oublier que moi créé forum économique secteur privé qui t'es une voix dans politique. Donc Réginald Boulos toujours engagé dans les affaires du pays pour nous voir comment capable jouer rôle nous comme citoyen. Et moi pensais que en 2018 UTOM comme UTOM, on vient dire UTOM, percevoir comme l'éminence grise du président Jovenel. Et quand je pense que je prends pleur, business m'a marché, Nissan a flambé, Delima a marché bien, tu te crées des ennemis. Tu te crées des ennemis politiques, tu te crées des ennemis économiques. Mais UTOM est clair ou bien UTOM fait fausse réflexion? Moi, je pense que je n'ai pas l'éminence grise. Je n'ai pas accès à Jovenel Moïse. Et une raison qui fait pratiquement me casser à Jovenel Moïse, c'est que je n'ai pas écouté conseil. Moi. Nous avons parlé de ça tout à l'heure. 4-5 événements pendant tant que le rivet au pouvoir me fait casser avec là, qui s'accrivait. Mais la réalité, c'est que je suis toujours au devant de la scène et ça gêne. Et là, qu'on est en février 2019, j'ai lancé l'idée d'un mouvement que je dis slogan, c'est mouvement Troisième Voie. Personne pas de prendre au sérieux. Il y a des gens qui te disent, ah, pas original à penser. Puis je dis, ah, il y a un mouvement sérieux dans la rue. Je n'ai pas besoin de dire, c'est le seul mouvement, grand pile gros mouvement. Mais je dis à MDV, qu'on veut qu'on parle, c'est un gros mouvement dans le pays. Donc, ça gêne beaucoup de gens. Et on est en 2018, je vais me chercher qu'on est. Et je devine là, je dis ça, nous te poser une question. Nous, est-ce que je connais qui monde qui fait 2018? Là, je dis, je vais me chercher qu'on est. Quand en 2021, je dis, moi connais moi ouais qui m'ont attaqué. Moi ouais bandi attaqué, exam, cocktail Molotov. Même par contre qui ça y est, son seul bagage que me dit. L'on président qui menaçait ses propres citoyens. C'est pas grave oui ça. Un président qui dit, il prend le bail tap.
On leur dit, suivez mon regard. Tout le monde dans le public là, la clameur publique dit, ça avait ma Dimitri Vol va parler. Le voyez Dimitri Ané, il dit tout pas m'der. Le président dit qu'il y a accident. Le président dit poids gratté. À la limite, au plus petit mot, il porte une responsabilité morale. M'bap jamais dit, m'bap jamais dit, c'est le président Jovenel qui veut écraser et Nissan ou autre. Vous connaissez que dans la politique, il y a parfois des serviteurs zélés. On est qui attend des présidents qui ont des problèmes à Régina Boulos, qui ont des pouvoirs. On est qui attend des présidents qui prennent le tap. Et puis, ils viennent battre la police. Non, mais est-ce qu'on est parti de monde, monsieur, de la battre? Parce que tu parles en question de 19 millions qui n'ont droit. Non, ça c'est dernièrement. Dernièrement, mais en fait, tap là, il y a longtemps l'abdil. Il y a longtemps l'abdil. Tu parles de petit accident. Écoute, elle parle d'accident, coupé tête. Il te parle de coupé tête. Ok? Écoutez. Je ne sais pas qui le président parle exactement. Le public la pensé ça avait parlé tout. Mais moi-même, pas pensé que le président a parlé avec moi. Je ne sais pas de l'État. Je ne sais pas de l'État en goutte. Je paye en moyenne entre 17 et 19 millions de dollars américains par année de droits et taxes. Ok? Je ne suis pas fait, je ne suis pas port. Je ne suis pas port, je ne suis pas APN, je ne suis pas rien à APN. Je ne suis pas géré la douane, je ne suis pas géré la douane, je ne suis pas directeur de la douane. Donc, je ne sais pas ça avec le président. Mais il va avoir la palais. Il va avoir la palais. Je t'ai parlé de 19 millions de dollars pour deux pères. Mais moi, je n'ai pas la parole, il dit bien avant. Là, il te dit suivez mon regard dans le palais. Tout le monde dit ça, Dimitri Vobarigina. C'était en 2019. 2019, oui. 2019. Il va prendre tout le temps ça pour le faire. Ah, mon cher, écoute. Je ne pas dit ce président, pas même dit ça, je ne dis pas. Non, je ne dis pas dit ça tout le monde. Non, je ne dis pas dit ça. Je me dis que. Président porté responsabilité morale. Ensuite, deuxièmement, pas oublier que Jodia, l'ongade une série de vidéos qu'a fait sur les réseaux sociaux, laboratoire PHTK travaille en pile. Parce que commencez peur MDV. Haïti débat. En pile monde commence peur MDV. Et dans tous les secteurs. Parce que moi-même, moi jour, Jodia, avantage Reginald Boulos gagné. Il n'a pas besoin d'argent l'État. Il n'y a pas besoin de l'argent de l'État, je vais répondre à une campagne l'autre jour. Je n'ai pas de problème pour dire que je suis riche. Le problème que je c'est d'empêcher l'autre nègre de venir riche. Donc aujourd'hui, je n'ai pas besoin comme l'État. À 65 ans, j'ai une seule vision. Je vais sacrifier Vim. Même si je suis là l'autre jour, je vais dire quoi. Je parle à peuple haïtien aujourd'hui, je dis très simplement. Répondez-moi à une question. Entre 2011 et 2021, est-ce qu'on vit plus bien aujourd'hui? Est-ce qu'on mange plus bien aujourd'hui? Est-ce qu'on travaille plus bien aujourd'hui? Est-ce qu'on est plus bon l'hôpital aujourd'hui? La réponse est non. Et quand on a une question ça, c'est le débat fait entre Reagan et Carter, Carter président, il parle de deuxième mandat. Et puis dans le débat, Reagan dit peuple américain, écoutez, est-ce qu'on plus bien aujourd'hui à 4 ans? Si on plus bien aujourd'hui à 4 ans, votez Carter. Si on pas plus bien, votez. Et puis le manger quand je sois ça. Sauf que le cas différent dans le cas pas nous. Pour qui ça? Puisque en Haïti, sans flèche la prend, il y a des gens qui te dit tout. Est-ce que le pays a été plus bon? Et après 2004, qui avant 2004, les autres viennent à un nouveau contrat social, je veux dire, ici, des liques, pas de bon, les arts. Pour qu'ils soient ça? Non, je ne vais pas dire non. Comme vous prenez tranche, je ne vais pas dire comme si nous avons une flèche qui a été sans ça seulement. Moi, je vous dis. Je vous dis en 91, je vous dis en 2004. Deux erreurs. 91, le coup d'état d'Aristide, une grande erreur. Parce que je ne sais pas quoi qu'Aristide a réussi, mais quitter le président a échoué. Quitter l'échoué. Coup d'état a fait d'Aristide un mythe. 2004, même j'ai un tour, je dis cherchons compromis. Qu'en est-il pour 2021? Mais je suis celui qui dit faisons une négociation avec Jovenel Moïse. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, pas qu'il y en a qui parle d'élection, avec une élection toute vous m'sédo, une élection faux mamite, avec 4 dents malades qui ont battu 2, 3 fois, 4 fois. Il y a des preuves sous réseau. Yo. Même nous, dans la même photo, il y a 3, 4, 3 différents numéros. Ah non. Donc, quelque part, aujourd'hui, ce que m'a dit, faux président fait sacrifice, faux opposition fait sacrifice. Donc, un bel exemple de sacrifice, messieurs. Balaguer à Peña Gomez. Balaguer volant l'élection dans mes Peña Gomez. Mais il y a le pouvoir dans mes, il y a l'armée avec elle. Le peuple a dit c'est Peña Gomez si vous voulez. Il y a deux bagages qui arrivent. Soit les gens font un compromis, soit le pays a casé.
Peña Gomez a accepté pendant qu'on est malade, dit qu'on cancel, pas jamais qu'un président. L'accepter faire sacrifice là, Peña et Balaguer retiré 2 ans dans mandat. Qui sacrifice président va qu'a fait là, je veux dire. Et 9, dis-moi que t'es oui. Et dis-moi non, que t'es. Mais donc c'est 2 groupes qui font sacrifice là. Pas de problème, pas de problème. Il y a un qui a demandé vous là dans les deux sens. Écoutez, est-ce que l'autre groupe là va qu'a fait sacrifice là? Même d'accord, c'est sous table là qu'on a le connaît. Mm-hmm. C'est sous table là qu'on a le connaît. Mais l'on discours ça par rapport avec monde qui n'a pas eu ce même niveau. Qui ont eu, vous comprenez? Non, écoutez, chacun, écoutez. Premièrement, son héros toujours fait, messieurs, et la communauté internationale fait le tout, pour me dire l'opposition que pour son seul groupe. Ce sont mes futurs compétiteurs oui. dans une élection. Évidemment. Donc aujourd'hui, nous avons une opposition commune que ce pouvoir a échoué et a échoué piteusement. Et les 9 ans de PHTK ont amené le pays à la dérive. Et moi, je vais l'expliquer pourquoi ça me dit ça. En 2006, le prix va le monter, l'IPON pays, avec un pire zone de non-droit. En 2007 et 2009, par la discussion, par la négociation, par la réinsertion et par des actions policières sérieuses, Préval mettait pays en 2009 par une zone de non-droit. Il remet PHTK au pouvoir par une zone de non-droit. Goud la 40 goud. Je dis à tout pays a ses zones de non-droit. Goud la 90 goud. Goud la 7 taux. Goud la 7 taux, je dis à. En fait, si vous permettez, docteur, tout, pas de ces explications, parce que vous êtes président de chambre de commerce, et puis en fait, vous êtes dans les affaires, hein, mm-hmm. même si vous êtes en politique, je dis. Hein, mais qui ça qui expliquait que, au-delà de l'effort qui a fait dans la Banque centrale, quand des millions a injecté et dollars n'ont pas circulé, ils ont fait injection, je dis, demain, on n'a pas acheté $1 dans la banque, on n'a pas acheté $50. Selon vous-même, ça qui expliquait phénomène ça, parce que. Pas des personnes qui presque comprennent pour qui ça cob a injecté, dollars va circuler, qui côté là aller. Non, là aller dans l'importation, dollars injecté a pas suffi, bon Dieu. C'est la mauvaise gestion. Est-ce qu'on connaît que au 28 février, ce gouvernement a fait 35 milliards de gouttes de déficit, alors qu'il était prévu à faire pour toute année à 39 milliards. L'IO représentait 76% de tout déficit qu'il a fait l'année dernière sur 12 mois. L'on fait déficit, comme vous avez dit, mm-hmm. sont là, je n'ai pas de support économique qu'on a dans l'économie. Mais l'on a tout goût de ça, c'est dollars à chercher. Donc, il y a tellement de goût qu'à chercher dollars. Il fait dollars à vivre là. Mm-hmm. S'il y avait une discipline fiscale, mm-hmm. il était dit en septembre, il faut encore, il ne faut pas dépenser que ça y rentre. Il fait 35 milliards de gouttes de déficit au 28 février. Deuxièmement, c'est quoi la politique de production nationale? Nous passons de 1986 à aujourd'hui à pratiquement très peu d'importations de riz. Aujourd'hui, nous importons 83% du riz, 244 millions de dollars. Quand vous comprenez, l'on prend 244 millions de dollars si on voulait l'acheter pour du riz. Pas, ou pas qu'on fait ça. Son dollar calon l'autre côté. Son dollar calon l'autre côté. Tout, aujourd'hui, nous passons de 30% de santé qu'on mangeait importé. Je dis à 70% ça ne mangeait importé. Donc, la question dollar, peuple haïtien, c'est d'abord la production nationale. Et la production nationale agricole. Pour que ça n'a pas mangé à un bon parti, c'est ici qu'il sorti. Deuxième bagaille, c'est une discipline fiscale. C'est troisièmement la collection des impôts. Il n'est pas payé impôt. Il y a un nègre dans le secteur privé qui pas payé impôt. Il y a un nègre qui fait un pile bagaille mauvais la douane. Non. C'est tout aspect ça yo, qui vient créer problème. Maintenant, on a pensé, et on nous a vendu, et nous battons bravo, même pas de battre bravo, mais il y a un économiste qui te battre bravo. Là, ils ont pensé avec un circulaire, ils ont ramassé tout de la diaspora, ils ont pris eux-mêmes, ils ont pris un ex-paio à 70 gouttes, 71 gouttes, peuple a eu forcé Balil à 75 gouttes, et puis il faut l'acheter dans l'arrière à 95 gouttes. Avec 20 gouttes. C'est, monsieur, il ne faut pas jouer comme ça. C'est la plus grande injustice sociale de ces 25 dernières années. Mm-hmm. La plus grande injustice sociale. On a réduit le pouvoir d'achat des bénéficiaires. Ils ont réduit le pouvoir d'achat. Bénéficiaires 3,8 milliards de dollars. Qui c'est le Kembe pays? Ils ont réduit de 25% avec un circulaire. En plus de 20% inflation. Ça dit peuple à cap vivre. Imaginons, bon petit exemple. On est que vous voyez quoi pour lui pour payer le loyer. Loyer 100 dollars pour le payer. Exact. Famille voye 1000 dollars pour lui. Yo bali 1000 dollars par 75 goud, ça fait 75 000 goud.
Mais faut le payer loyer. Exact. Là dans la rue là, là l'acheter dollars. 75 000 gouttes la balle, 800 dollars. Et chercher pour chercher 200 dollars dans point yawe. Mm-hmm. Pour payer Kaili. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Mm-hmm. Et puis pour dire moi ou t'es pour te battre bravo, dans des leaders politiques qui te gagnent les comptes ça pas le passé là, tu gagnes à annoncer ces gros bagages qui va mettre là, on va mettre l'autre dollar. Et puis la réalité, on prend dollar, l'on fait injection, par contre comment on fait injection. Et puis qui ça, les copains de la République, les petits copains de la République mm-hmm. bénéficient de dollars à 71 gouttes pendant le peuple a acheté le 95 gouttes. Est-ce que c'est deux oligarques ça ou président toujours parler qui prend dollar là, qui kembe dollar là. Je suppose ça. Le peuple a rajeuni. Je suppose ça parce que la définition d'oligarque, c'est le secteur privé qui a coton président qui a fait l'argent. Donc je suppose les petits copains. Mm. Il bien défini lui. Le président bien défini lui. Excepté que Mounio pense à Palavel là. Mm. Et Mounio pense à Palavel, c'est pas eux. Soit chercher définition oligarque. C'est un homme du secteur privé proche du pouvoir qui bénéficie de l'appui du pouvoir pour faire de l'argent. Poutine a beaucoup d'oligarques autour de lui. Le président, comme oligarque politique, a des oligarques économiques autour de lui. Mais pas forcément toujours pour lui tout. Comment? Non, il n'y a pas qu'un oligarque. Parce que oligarques là mm-hmm. sont monde qui a bénéficié de l'appui pouvoir pour faire l'argent. Mm-hmm. Son monde qui a bénéficié de l'appui pouvoir pour faire l'argent. Si je souhaite président Jovenel, monter dictionnaire, les garder encore. Mm-hmm. Il choisit un mauvais mot. Là, écoutez, cela qui veut une stratégie pour lui, pour l'attaquer dans le secteur privé, et puis le power, nèg la attaquer, c'est nèg qui plus proche de lui. Mais il y a toujours dit pays, il y a un oligopole là-dedans, c'est-à-dire un groupe nèg et avec femme qui a investi là-dedans, donc il y a décidé. Toute loi marché a qui fait toute bagaille entre eux-mêmes. Et comme vous faites pile temps dans ce secteur ça, et ça y a une reconnaissance sur ça? Reconnaître tête main? Non, c'est reconnaissance sur ça. Est-ce que vous connaissez comme ça vous? Non, je connais une mafia. Une mafia? Oui, ma oligarque politique et oligarque économique. Monsieur Bagan bourgeois, non, non, pas le man. N'est qui vient de milieu, n'est qu'à acheter caillou dehors. Il va dans le secteur privé, non? Mm-hmm. T'es pas le man, il va y avoir. Faut pas comme ça. Ok. Il y a un oligarque politique, il y a un oligarque économique. Yo associé yo, yo prend pays en otage, yo prend genou yo, yo met sous coup peuple là. Y a tout bizi peuple là. C'est la réalité. Mm-hmm. Et là ouais, on Réginald Boulos, Pierre Réginald Boulos, qui sorti dans bourgeoisie et puis dit il voulait goumer contre ça, il voulait changer bagay yo, li pa gen rien à défendre, mm-hmm. que mettez ville en danger, mettez bien en danger. Que pile moun dans secteur vraiment qui connait dit ça mal chercher là. Mais c'est ma vision, c'est ma passion aujourd'hui. Moi, j'ai une vision, j'ai 65 ans, campagne Marco. Mm. J'ai 65 ans. Je n'ai pas besoin de rien d'autre dans la vie. Ok. Mais où j'ai 65 ans et où dit vous commencez à faire business à 40 ans, ça veut dire 25 ans dans oui. maintenant. Oui. Et où vous créez forum économique, oui. secteur privé, oui. et où vous êtes dans la chambre de commerce. Oui. Et oligarque économique, ça y est, ça y vote qu'on parle avec eux, ou qu'on est eux, est-ce que ça y vote qu'on dit, ok, monsieur, ça n'a pas fait payer, il n'est pas bon, puisque oligarque économique, ça y est, assez souvent, ils ont même joué sous politique, ils ont sous politique, d'ailleurs, nous sommes en 2004, nous sommes chaque élection dans le pays, même oligarque économique, ça y est, c'est eux-mêmes qui viennent avec des monstres hein, politiques, ils ont investi dans eux, financé eux, même les après ça, ça arrive, ils ont été trompés par rapport à nous. Non, mais ils ont investi dans eux. Non, mais il faut me dire ça, parce que je ne suis pas financé. Pourquoi n'aime pas plutôt faire passer? Pourquoi n'aime pas plutôt faire passer? Pourquoi n'aime pas plutôt faire passer? Ok, mais dis-tu, mais on te rend pas la dégâts. Mabdou, montez sur Internet, cherchez discours, l'homme vient président de la Chambre de commerce en 2004. Ce que j'ai dit. J'ai dit, nous devons aboutir à une société plus juste. Nous faisons pour nous gagner, pour nous gommer contre contrebande. Nous faisons pour nous gommer contre corruption. L'homme vient former forum, m'a créé premier forum. Regardez, discours fait devant Préval, dans le Caribe. Tu as n'importe qui, 700 nègres et femmes du secteur privé. Je dis, les choses doivent changer en Haïti. La façon de faire les choses doivent changer. Écoutez, je ne suis pas certain que ces hommes dont tu parles sont heureux et probablement pas heureux de l'extension que Réginald Boulos a pris dans le pays. Parce que Réginald Boulos, pas qu'on est, il pas besoin qu'on est. C'est le système qui connaît. C'est la loi qu'on est. Écoutez, moi, je ne vais pas faire chasse aux sorcières à partir de monde. Là où on est prêt à l'arrêter, il y a un grand homme d'affaires
pour affaire de camion qui était mal sorti la douane. On ne peut pas aller dans la soirée. Il dit, ouais, comment me déraper la lutte contre le banan? Je dis, non, président. Je vois une lutte partisane et sélective. Pas beaucoup on est dans le palais à Kakoto, que je connais tout, qui dans le même bagage, on comprend. Le président a relé une série de monde. L'a frappé, l'a dit, l'a frappé. Pendant autour de lui, il y a des hommes et des femmes connus qui sont des grands bénéficiaires. Moi-même, pas n'a fait non. Donc, on a des oligarques de tout poil. On a des oligarques. Mais dans la presse aussi. Dans la presse aussi. Qui est-ce qu'on apprend les machins de micro? Eh bien, des oligarques. Eh bien, des oligarques. Et tout côté, oui. Okay. Il faut venir avec l'état de droit. Fon vini, ce n'est pas moun nous vini garder. C'est pas fiscal nous vini garder. C'est pas social nous vini garder. C'est état généraux de la nation nous vini faire. La conférence nationale, le dialogue national. Pour qu'on ait dit, c'est pas normal que son même zilé a. Il y a deux pays. Il y a un côté où on a vécu bien. Côté nous tout en vie à l'égale. Et puis il y a un côté où on va vivre très mal. Algade, Marco, Algade. Chaque fois que nous avons demandé nous ça, nous pouvons faire. Elle fait un reportage sur l'hôpital Sainte-Catherine. Elle demande des gens qui sont à l'hôpital Sainte-Catherine dans le temps. Elle demande des gens qui sont à chapitre. Elle fait un reportage sur l'école, moi, qui cité soleil là. Côté que Timoun n'a pas payé un goud. Un goud. 2500 Timoun. Le meilleur score. Le meilleur score aux examens. Examen 9e année fondamentale de toute la République. Cité soleil. Le meilleur score. Donc, moi, je ne vais pas à pointer du doigt. Je dis, changeons les structures et les processus. Faut ne faire que DGI. Il n'y a pas de monde qui est noir, qui est blanc, qui est X, qui est Y. Parce que la réalité, Marco, pendant souvent on a parlé d'oligarques, qu'on voit les ministres docteurs, qui tout le monde connaît un docteur très, très, très achalandé, la vine pour les ministres, la paye 5 ans arrière, et pas, ça lui est lui-même. Et bon, oligarque tout le monde. Par exemple, il y a un avocat qui fait gros affaire, touche gros corps, il y a un déclaré. Non, mais si pays y a dans tout le secteur, oligarque seulement, il y a. Donc là, on a parlé des changements là, c'est extrêmement difficile. Non, mais il faut quoi? Moi, je crois que le changement va se faire. Non, mais si tout est élite, tu fais le changement. Va faire. Je vais m'expliquer, c'est parce que vous voulez expliquer. Non. Que élite intellectuelle là, élite politique oui. Là, élite économique mais. Là, toute élite qui gagne dans le pays là, ils constitué de oligarques. C'est-à-dire que pas des patriotes, pas des nationalistes là, c'est des gens qui viennent défendre l'intérêt. Donc, on a. Lorsqu'on est avec le docteur Boulos, donc c'est sûr que ou une grosse structure politique. C'est mon élite ça yo qui en dani que ou joine qui en dani des mon élite intellectuel là des mon élite économique là qui fait donc, qui a dans parti politique non, pour là même non, avec toute la partie non Marco Bamjo pendant m'a parlé là MTV Haïti a développé avec Grenzongli. OK, ça c'est premièrement. Deuxièmement, mon gros bagage important me toujours aimé dit Reginald Boulos pas jamais joué une franchise. Le en 2004, tu as fait gagote franchise. Reginald Boulos pas de là-dedans, il pas de prendre. Et moi, aller plus loin, 2018, le fin crasé de l'IMAT. Mon ministre finance qui relève, qui dit, et ça me le commander pour me remplacer dans de l'IMAT là, la bonne franchise pour yo. Je dis non merci. Immeuble de l'IMAT toujours. Que tout le monde a là-dedans, il est fier. Parce que Dieu t'a dit qu'il doit prendre ma salle déposer le Miami. Je paye 300 000 dollars américains de douane sur lui. Pour l'immeuble là. Parce que m'importe le préfabriqué. Donc, quelle différence? Moi, il y a pile de monde qui a souffert dans le secteur privé. Il y a des gens qui ont armé, ils ont changé. Ils n'ont pas de vol, ils n'ont pas de franchise. Ils ont payé le droit. Et puis, ils n'ont pas de support à la police. Ils n'ont pas de sécurité. Ils n'ont pas de service. Ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas de service pompier. Donc, et ceci est vrai dans la classe moyenne. Il y a plus de monde qui paye pour yo. Bon, l'autre ouvrière, moi, comme monsieur, ouvrière, qui travaille dans la factory, 52 000 ouvrières, ils ont touché 440 gouttes par jour. Puis pitié. Quand ils arrivent à la carrière à 5 heures, combien de gouttes 118 gouttes. 118 gouttes. Il faut faire camionnette matin, camionnette après-midi, manger matin, manger à soir. L'État prend un pot sur yo. On a 118 gouttes, ça pour le faire 118 gouttes là. Alors que, problème en problème, tout le temps de salaire, parce qu'on a une compétition que Vietnam a fort,
ou besoin de créer 250 000 emplois comme ça. Mais l'État a investi dans le transport public. L'État a investi dans la subvention pour les gens manger. C'est ça qu'ils ont fait dans l'autre pays. Et c'est ça que nous allons faire. MDV Haïti, quoi, dans la création de travail. Mais est-ce qu'on l'État a investi dans ça aussi, toutefois? Et les nègres là, les femmes là, t'as fini de prendre poste là, et pas salte gain dans le programme ni, et pas salte gain. Mais qu'on a plus gros problème dans tout, qui vient faire on nègre pas gain tout ça, ou abdi là, ou dans le programme ni, et par exemple, on monte avec le docteur Boulos, d'accord, financer nègre ça, ou bien l'accompagner. Bah d'accord, bon. Premièrement, m'aider, m'était quoi dans la campagne 4 mounes, m'était quoi dans la campagne basée, et m'était quoi jusqu'à présent. Programme basée, c'est un bon programme. Ok. Moi, j'étais quoi dans le programme Leslie Maniga. Et m'a dit, dans 31 ans qui sont passés, 35 ans qui sont passés là, yo. Si vous avez un moment à Haïti, vous avez une idée de votre président qui compte ça à faire, c'est les 4 mois de Maniga. En 1988. Février 1988. Et ça fait me supporter Leslie Maniga en 2005. Je supporter Madame Maniga en 2010. Et là encore, ben, c'est Madame Maniga qui a fait beaucoup, beaucoup mieux que 10 ans PHTK. Et me supporter Jovenel Moïse, parce que Jovenel te vend mon programme. Jovenel te vend mon vision. Jovenel vend peuple haïtien, mon vision. Ou t'es quoi là? Mon slogan. Mon chef, t'es quoi dans lui? Oui, t'es quoi dans lui? Et moi, je pense que tu es Jovenel Moïse. Je dis à Mabdil, Michel Matéli. Et je dis ça 4 mois après le président. Nous, il veut que le président Matéli, et Jovenel me dit, président, pas comprendre. À part mon ministre dans le gouvernement. À part mon ministre, pas le choisir. Et pas le choisir Jacques Guy Lafontaine. Tout le monde compte ça. Ok, nous disons sous parfait on gens pour qu'on vienne président ou à péchouer. C'est le premier choc nous avec 4 mois après me fait choc avec ce budget criminel là. Nous dit président m'a pas comprendre qu'on pas monter taxes sous voiture de luxe, sous produit de luxe, sous parfum, et puis c'est sous permis de conduire à passeport qu'on monte taxes. Mais aller même très loin, me dit président, m'a une idée pour vous. On bail tout haïtien de plus de 18 ans premier passeport gratis. Ça a coûté 22 millions de dollars. Et puis au fur et à mesure, m'a parlé, je prêche dans le désert. Je prêche dans le désert. Donc finalement, à un certain moment, je me découragé. Et puis je me dis que ça me décourage, c'est pas de ça. Maintenant, maintenant, il y a un qui m'a dit, est-ce que je regrette? Pas je regrette ce que je fais dans la vie. Je suis déçu. Très déçu. Mais est-ce que vous présentez la population haïtienne dans tout? Excusez-vous, puisque... Non, pas excusez-vous, me présenter. Non, mais tout à l'heure, on a été échoué, on a présenté excuses. Non, tout à l'heure, on est gouvernement femme candidat en Haïti, et je dis, on nous parle de 1000 gouttes, de ceci, si c'est là pour faire. Donc, ça veut dire que les gens qui investissent dans le candidat, il y a beaucoup de monde qui viennent chef, puisque les gens souvent, c'est les gens qui ont moyen de voter. Donc, ça veut dire que le fait que côté financier, Jovenel Moïse, c'est-à-dire que vous contribuez au monsieur le président. Oui, là, nous dit ça, nous prenons très mal par rapport à la population haïtienne. Ça veut dire que vous voulez dire là, soit dit là, dans le micro, il y a 550 000 haïtiens, c'est pour 1000 gouttes qui ont voté. Un peu le monde veut. Non, je ne dis pas ça. Je ne fais pas haïtien trop confiance. Il était quoi dans le slogan? Il était quoi dans le slogan que vous pouvez mettre l'argent dans la poche, manger dans l'assiette? Et je dis à peuple haïtien déçu tout. Peuple haïtien déçu. Quand c'est pas la première fois, on peut voter un président et puis le déçu. Nous sommes par exemple, peuple américain a voté Carter. Pas de monde qui a des excuses après ça. Le Carter a échoué. Pas d'excuses pour présenter. C'est mon droit de voter. C'est mon droit d'appuyer un candidat. Je n'ai pas personne pour mal dire excuses. Mais sauf que le président, après Mathieu, tu es débarqué dans Jérémy. Avec bateau, paquet de bagages pour télé, ça te bat, monsieur, un élan considérable par rapport à notre candidat. Yo. Donc, elle dit que tout ça, les monsieur te pote. Yo. Donc, yo, monsieur, il va vendre l'État. Pas oublier, non, toute batterie de bagages, c'est mon secteur privé. Et alors, qui dans cette affaire, il n'a pas accompagné. C'est un péché. C'est pas ton péché. C'est parce que tu es sous l'île. Comme on a dit là, ou a dit, faut secteur privé avoir une boule de cristal pour te voir devant que Jovenel Boal, un vagabond. Non, pas forcément ça. C'est ce qu'on veut dire là. Non, on ne pas faire ça. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des trombeaux? Pardon? On ne peut pas trouver des trombeaux. Ou déçu. Déçu. Et le peuple a déçu tout. Le peuple n'a pas dit le trompé. Le peuple a déçu. Et me déçu tout. Bonsoir, Gary. Bonsoir, Marco. Bonsoir campagne, et bonsoir original. Bon, bien content. Oui. Bonsoir Gary. Qui est-ce? Nous là. Ok, nous là. Ok, nous t'attendons tout à l'heure, pendant que tu as dit,
journaliste ou oligarque, dans une petite précision sur ça, parce que je ne peux pas comprendre. Non, écoutez, Gary, c'est pas moi qui inventé moi, c'est pas moi qui inventé moi, ok? Il y a pile accusation, quand il y a accusation sur le secteur privé, il y a accusation sur le politique, il y a accusation sur une série de nègres que les marchands de micro. Yes. Bah, on est, on ne va pas le bailler, même je ne vais pas le secteur privé. Nous avons marchand de micro à ce moment. Son oligarque lié tout. Parce qu'on est capable de profiter de position pour le fond corps. Yes. C'est tout ce que je dis. Ok. Ok. Ok, d'accord. Mais le plus souvent, là on est marié, marchand de micro, avec le concept ça, qui c'est oligarque là, c'est parce qu'en face là, yo ba ou parler ça ou ba jam poser aux questions nécessaire question importante parce que vous citez nous certains monde comme machin de micro justement il y a un rapprochement au sous avec président mais lors ou bien gouvernement lors il y a un rapport à l'opposition ou met à toucher ou met recevoir cob yo met bon don yo bon toute bagarre voir machin de micro même pas ces monde ça aussi vendeur de pays que vous yo même monde ça. Parce que quand les gens disent, machin de micro, c'est les gens qui ont parlé avec l'opposition contre le gouvernement. Okay? Mais les gens qui pour l'opposition, qui ont fait propagande pour l'opposition, qui ont reçu quoi dans l'opposition, tout le temps pour parler pour lui. Il y a ces machines là, il y a le recap, il y a le tout bagage, il y a la machine de micro. Non, moi-même, Oui, il y a pas machine de micro dans l'opinion. En tout cas, nous-mêmes, nous n'sommes pas d'accord avec la question de machine de micro. Parce que Gouma qui vient dans le pays, ça. Je ne vais pas vivre bien qu'on aigle. Je ne pas d'accord avec vous, Gary. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Attendez, je vais raconter un bagage là. Je ne pas bailler non. Mais je ne compte pas. Très négatif sur moi. Ok? Deux jours après, je recevais un message secrétaire. Je suis allé dans le bureau, je demander pour moi. Exact. Ok? Je suis allé. Je viens dans le bureau, je parle avec elle. Et puis, il parle de un petit problème de gain. Ok? Nous résoudons ça pour lui. Tu as fait une machine pour te ranger pour l'eau comme ça. Puis, deux jours après, on a écrit que nous avons un projet de $10,000. Il ne pas comme ça. Exact. Immédiatement, il dit que nous projet pas un projet de $400, un projet de $10,000. Il dit là, mon cher, on mal tombé. On va faire un évolu. Depuis lors. Je ne reçois que des articles. Des articles, monsieur. Eh bien alors, est-ce que vous m'avez le mounza? Comment vous m'avez le mounza, monsieur? Ou oligarque malsain? Oui. Donc, écoute, il y a des gens, et ma Djougari, ou pas besoin, j'en voulais aller à. Ou est-ce que peuple haïtien? Peuple haïtien, connaît qu'est-ce qui marche en micro? Quel que soit à droite ou à gauche ou à droite. Ah. À gauche ou à droite. Les connaît. Les connaît qui n'est pas défendre la tête. Ok? Et ou après que gagne des émissions bas jamais là dedans. Ou manquer des émissions bas jamais là dedans. Oh. Combien fois m'vient sous scoop? Tout le temps. Ouais. Eh ben. Le pays okay. Vous ça. Si me dépenser, si me dépenser c'est quand machin micro m'd'abvini. M'd'abvini là. Mais vous café vous pensez tout le fait que nous toujours bon parler que c'est même nous bon micro n'a pas. Non. Pas toujours bon parler. On pas toujours bon parler. D'ailleurs parler sous scoop peut-être deux fois par année. Pas plus. Il y en a qui parlent plus souvent que moi. OK? Balé sous scoop peut-être deux fois le bon événement, le bon bagaille important pour parler. Mais en tout cas, la perception, oui, la perception, c'est que le journaliste qui parle de manière objective, ok, monsieur, c'est machin de micro-lier, parce qu'en fait, monsieur pas attaqué pouvoir. Moun qui a parlé de, en faveur de l'opposition, qui a parlé de l'opposition, il va machin de micro. Même TV fait pour ça, machin de micro, yo. Donc, c'est en fonction de position, moun, mais de pour objectif. Pas toujours. Il y a beaucoup de positions. Il y a beaucoup de positions. Vous êtes par exemple sur le Il y a un journaliste qui défend l'opposition tout le temps qu'on est machin de micro et tout. Ok. En clair. Ok. En avance. Ok. Attendez. Est-ce que. Dans quelle période vous allez couper fâché avec Jovenel? C'est avant ou après contrat que vous avez?